Salut mes Kinder, aujourd'hui on est vendredi 13 septembre. Je fais suite au dernier clip de mon vlog précédent. Vous reconnaîtrez le même background, c'est exactement la même heure, le même jour, etc. Là je teste le trépied, alors j'espère que ça va. Il faudra que je vois si je tiens sur la longueur, c'est un peu fatigant pour mon bras. Oui, je suis faible. Et j'ai l'air super blanche. J'espère que ça vous dérange pas. Sinon, alors je vous ai pas vraiment parlé depuis vendredi dernier, ça fait une semaine. Dans mon vlog numéro 6, vous aurez vu, je crois, par rapport à la fin du festival, etc. Oui, j'ai dit quelques petites choses par rapport à la fin du festival. J'ai surtout filmé pour le vlog 6, c'est pour ça que le vlog 7, il est beaucoup plus court. Il fait que 15-20 minutes, alors que la partie 2 du vlog 7 fait 40 minutes. Mais c'est parce que je voulais absolument pas couper encore une fois dans une troisième partie. Je tenais vraiment à tout finir dans ce vlog-là, comme ça il y a vraiment deux vlogs, deux parties pour le festival. Je sais plus si je l'ai dit, je crois pas, mais j'ai pris la décision pour le moment de continuer mon job de bénévole en tant que community manager pour le festival, toujours sur Facebook uniquement. On n'a pas encore fait récupérer Twitter et Instagram, mais bon, j'espère que ça viendra quand même. Au moins Facebook est prêt, j'ai juste à checker de temps en temps quoi, je check un peu tous les jours. Je continue de noter chaque jour combien de mentions j'aime la page, je gagne en plus, ça va me servir aussi à la fin. Sachant que j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, je vous avais parlé, enfin non pas parlé, j'ai mentionné un événement qui s'était produit, je pense que vous le voyez à mon sourire et juste à mon visage quoi. Pour l'instant, je ne veux pas encore trop en parler, c'est vraiment... Aujourd'hui, ça fait 5 jours. D'ici à ce que cette vidéo sorte, ce sera au mois de novembre, donc ça fera beaucoup plus longtemps. Je pense que je vous en parlerai dans longtemps, quand ça fera plus. Ouais, voilà. Je dirai pas tout, mais je suis tellement contente que j'en parlerai un petit peu, mais plus tard. Pour en revenir à ce vlog-ci, je ne sais pas combien de temps il va durer. Le précédent n'était que sur 2 jours et il faisait déjà 15 minutes. Celui-ci, je ne sais pas. Peut-être qu'il va durer... que jusqu'à dimanche, ça sera peut-être un weekend in my life, ce serait mon premier, ce serait sympa, ça me ferait un titre tout trouvé d'ailleurs pour ce vlog-ci, le précédent c'était la reprise de la fac, donc celui-là ça pourrait très bien être weekend in my life. Concernant mon emploi du temps du jour, ce matin j'ai terminé le ménage, c'est-à-dire que hier soir j'ai commencé. J'ai rangé du linge, fait une nouvelle machine, étendu la nouvelle machine, nettoyé la baignoire, les WC, les deux lavabos, rangé la vaisselle, fait la nouvelle vaisselle, ouais, je crois que c'est tout. Et ce matin, j'ai passé l'aspirateur, c'est la dernière chose qui me restait en fait, passer l'aspirateur. Je suis aussi passée à la CPM, il fallait que je dépose des papiers importants qui manquaient pour mon dossier de renouvellement de la CMU. Sans ces papiers, ça pouvait pas être finalisé. Et étant donné que c'est assez urgent, je les ai directement déposés là-bas, je voulais pas attendre de les poster. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu cours, c'est le même emploi du temps la semaine prochaine, même si ça va changer dans 2 semaines et ce sera la cata après, mais bon, c'est pas grave. Pour le reste de la journée, pour le moment, je finalise donc le vlog numéro 7, comme ça je vais pouvoir le programmer. J'ai déjà programmé le vlog 6 hier. Je vais m'occuper du vlog 7 aujourd'hui et comme ça après j'aurai tout le reste de la journée pour la fac. Voilà, comme ça ce sera la fac à fond aujourd'hui, demain et dimanche. Avec peut-être un petit moment où je verrai Léa, je sais pas encore, ça dépend si elle veut qu'on aille au ciné ce week-end ou pas. Ou sinon peut-être que moi j'irai toute seule, je sais pas. J'ignore si je reprendrai la caméra aujourd'hui, je vais essayer de pas trop parler, enfin... de pas parler pour rien dire, là je vois que ça fait 5 minutes, bientôt 4, bientôt 6 pardon, mais c'était pas pour rien dire, donc ça va. Sur ce, je vous dis à plus tard dans le prochain clip.
fait l'introduction de ce nouveau clip pour le vlog numéro 8 que maintenant. J'espère que le clip d'avant vous aura plu, il aura été accéléré de ouf parce qu'en fait ça fait déjà une heure, enfin 50 minutes. Et j'ai pas fini, en fait là en une heure j'ai fait la moitié de ce que j'ai prévu, c'est-à-dire que j'ai fait les deux fiches des deux premiers CM de mon cours Histoire de l'intégration de l'Union Européenne. Et là je vais commencer les fiches pour Droit institutionnel de l'Union Européenne, donc qui est en lien avec le précédent. J'ai les cheveux qui sont pas du tout coiffés, là c'est la cata. J'essaie de faire ça pour m'en débarrasser, ça fait un moment que j'aurais dû le faire, au moins après je reprends sur de bons rails. Il me restera à voir pour droit matériel de l'Union Européenne, mais ça je verrai peut-être un peu plus tard, soit plus tard aujourd'hui, soit demain. Je sais plus si je l'ai dit, mais aujourd'hui on est samedi 14 septembre, il est 10h40 actuellement. Aujourd'hui c'est une journée chargée qui m'attend, ce matin je suis passée à la banque, c'était un peu la folie, ça m'énerve, j'espère vraiment que la situation va être régularisée au plus vite parce que je commence vraiment à détester la gestion de ma banque qui est en fait merdique à souhait, mais bon bref, on en parlera une autre fois. Puis ce soir, enfin ce soir pas exactement, on va dire que ce soir de 19h à minuit je vais travailler, j'ai décroché une nouvelle mission d'hôtesse et ça je suis trop contente pour la même agence et la même cliente que ma toute première mission au mois d'avril, à part que cette fois on n'aura pas les uniformes, ça s'est fait au dernier moment, ils n'ont pas eu le temps de les envoyer, mais j'ai ce qu'il faut donc c'est parfait. Ça me fera 5 heures de travail plus les frais de défraiement, je crois qu'on dit, les frais de déplacement quoi, parce qu'il faut y aller en voiture, je vais y aller en covoiturage avec ma collègue, on est toutes les deux en renfort en fait aujourd'hui. Et pour la retrouver, on s'est dit autour de 18h, en fait on s'est fixé 18h, mais je vais essayer d'y être un petit peu avant. Le problème c'est que depuis chez moi c'est assez loin, il me faut environ 33 à 40 minutes, moi j'ai retenu 40 minutes pour y aller, ce qui fait que je vais devoir partir à 17h, dernier délai dans ces eaux-là si je veux vraiment être tranquille, surtout que tout à l'heure j'ai essayé de repérer un petit peu l'arrêt de bus de ma ligne, celle que je dois prendre, mais tous ceux qui sont à côté, bien évidemment c'est pas le bon sens et j'ai pas réussi à trouver vraiment le bon sens. J'ai des idées, je pense qu'autour de la gare de Nancy, ça devrait le faire. Donc il va falloir que je surveille parce que ça aussi, ça rentre dans mon temps d'action, entre guillemets. Enfin voilà, je vais vous tenir au courant peut-être dans la journée, mais de toute façon, à partir du moment où je vais partir, je vais revenir autour des 1h, 1h30 du matin. Donc voilà, ça va être une très très longue journée pour moi. Donc je pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui, je vais très certainement vous retrouver que demain, mais je vous raconterai tout ça, donc ça fera un vlog pas mal, je vous tiens au courant. Peut-être que quand j'ai fini toutes mes fiches, je ferai un plan rapide pour vous montrer, et dans tous les cas, je vous dis à plus tard. Voilà, il est à présent 11h44 et j'ai fini toutes mes fiches, c'est de là pour Histoire de la création de l'Union Européenne ou de l'intégration de l'Union Européenne. Celle-ci, c'est pour droit institutionnel et celle-ci pour le droit matériel. J'ai quand même été assez motivée pour la faire. Donc, j'ai plus qu'à ranger tout ça parce que ça m'a bien saoulée. Et là, je suis en train de surveiller de nouveau le Facebook du festival, la page Facebook. Je vois qu'il y a 6 notifications. Je vais checker un peu tout ça. Et j'irai probablement manger, en tout cas très bientôt, étant donné qu'il est déjà 11h45. Je vous retrouve plus tard, des bisous. Salut mes kinders. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 septembre et il est bientôt 11h déjà. Je tenais à vous résumer en fait ma soirée d'hier, ma journée d'hier. Pendant ce temps, je me connecte à mon ordinateur sur LinkedIn pour mettre à jour en fait mes missions d'hier. D'ailleurs il faut que je vois si j'avais pris des notes aussi ou pas de la dernière fois
afin de tout avoir précieusement de côté. Alors, que dire d'hier soir? La première chose à dire, c'est que c'était long, c'était extrêmement long, c'était beaucoup plus long que ce qui était prévu. Alors, heureusement, je serai payée en conséquence, mais c'était long. C'est-à-dire que normalement, je devais faire 19h minuit. Finalement, je me suis retrouvée à faire 19h, 2h du matin. Le temps de vraiment partir, c'était 2h15. Le temps d'arriver chez moi, c'était 3h. Et le temps de me coucher, c'était de finir un petit bout, etc. Je crois que c'était 3h30, 3h40. Donc si j'ai l'air fatiguée, c'est tout à fait normal, que ce soit à ma voix ou au visage, c'est tout à fait normal. Je me suis réveillée plusieurs fois. D'abord, je me suis levée une première fois à 7h. Parce que Calin n'arrêtait pas de faire des bêtises, il n'arrêtait pas de vouloir rentrer dans le carton des cours. Que du coup, j'ai retourné et j'ai mis un truc dessus pour pas qu'il y aille parce qu'il y a des choses dedans qu'il faut pas qu'il y aille. Il a déjà à moitié mangé ma feuille d'anglais, donc mercredi ça va être super jeune. Ok, c'était une feuille de brouillon sur laquelle je l'avais imprimée pour pas faire de gaspillage. Mais maman, je vais pouvoir dire regardez, alors non, moi c'est pas mon chien, c'est mon chat qui a mangé ma feuille. Mais bon, bref. La mission en elle-même, alors donc j'étais en binôme avec une autre fille qui s'appelle Julie, qui était vraiment super. Désolée, en même temps, je vais pas regarder la caméra, je vais regarder là-bas pour avancer, pour aller plus vite. C'était donc avec Julie et elle était vraiment super. C'est avec elle que j'ai fait le covoiturage. Le problème, c'est que pour la rejoindre jusqu'à son lieu de covoiturage, normalement, je devais prendre un bus et ça mettait à peu près 33 minutes, 40 minutes. Sauf que bien sûr, au moment où moi j'en avais besoin, il y avait je sais pas quelle manif, je sais toujours pas quoi d'ailleurs. Apparemment, c'était peut-être les pompiers, mais j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que oui, il y avait des CRS un peu partout pour protéger au moment où la manif passerait. Mais c'est surtout qu'ils avaient interrompu toutes les lignes de bus, littéralement toutes les lignes de bus. Je crois que même le tram est circulé à certains endroits. Et moi j'en avais besoin de ce foutu bus. Résultat, j'ai dû appeler en urgence Julie pour voir comment faire avec elle. J'ai dû appeler ma responsable à l'agence pour la prévenir qu'il y aurait normalement du retard, même si je m'étais pris super en avance pour rejoindre Julie. Et au final, j'ai marché de Nancy à. À Vendeuvre, il y a le parc des expos, bah c'était encore après, et encore après, il y a toute une zone commerciale avec Jiffy, Aldi, etc. C'est là que je me suis arrêtée, il me restait normalement encore 20 à 30 minutes à pied pour rejoindre le Cora Oudemont où je devais rejoindre ma binôme, mais c'était vraiment plus possible, j'en avais marre, j'étais crevée. Donc je me suis arrêtée là et finalement c'était beaucoup plus rapide. De là, on est parti à Commercy au château Stanislas et finalement on est arrivé à l'heure. On est arrivé à l'heure, donc un chouïa avant 19h, pour entendre dire que le client avait décalé, que les invités n'arriveraient qu'à 20h et que la mission, la fin, était décalée aussi. Je peux vous dire que c'était assez dur. Là, mon corps, il va avoir un peu de mal à s'en remettre, mais je pense que le salaire suivra en conséquence, étant donné qu'on aura la majoration de nuit à partir de 22h, donc de 22h à 2h. Il y a aussi quelques frais kilométriques. Après, Julie, elle pense que le créneau de minuit à 2h devrait être majoré en heures supplémentaires. Moi je suis pas sûre, j'ai plutôt l'impression qu'elle fera un avenant au contrat, je sais pas. J'avoue que la logique voudrait, dans un travail traditionnel, que ce soit compté en heures supplémentaires, mais là je sais pas trop. En tout cas c'était super, c'était quand même super. Il y a eu des moments durs durant la soirée parce que c'était long. Heureusement on a pu manger, mais c'était le même repas qu'eux et en fait c'était hyper sophistiqué, c'était trop sophistiqué pour moi. Et on n'a pas eu ni fromage ni dessert. En fait, on a mangé que la moitié, c'est-à-dire l'entrée. Puis, 3 heures après, ou presque, on a mangé la viande. Sinon, je suis restée en contact toute la soirée avec ma maman. Je la tenais au courant parce qu'elle voulait savoir. Elle aime bien savoir quand je finis tard comme ça, ce que je peux tout à fait comprendre. À mon avis, je serais exactement pareil avec des personnes auxquelles je tiens quand on ne sait pas trop à quelle heure on finit. Déjà de base ça devait finir tard, mais en plus là c'était vraiment tard, voilà. Mais c'était très bien, c'était pour l'anniversaire d'une entreprise, donc c'était cool, les gens ils étaient détendus. J'ai même pu faire une photo avec ma binôme. Attendez, je vais vous la montrer. Sinon, hier, je sais plus trop si j'ai pris la caméra, à quel moment. Je pense que je l'ai prise le matin. Aucune idée, honnêtement je me rappelle déjà plus avec tout ça. Donc ce que je vais faire maintenant, et désolée j'arrête pas de dire donc, ce
que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le montage de ce clip et des clips précédents afin de voir la durée actuelle de mon vlog, de mon Weekend in My Life vlog numéro 8. En fonction de ça, peut-être que je reprendrai la caméra encore un peu plus tard. Sinon, je vais arrêter là. Si je trouve que la durée est bien, je vais m'arrêter là. Et pour une fois, le clip, il sera... Enfin, le clip... Le vlog sera beaucoup plus court afin de pouvoir reprendre à partir de demain sur... Ou dans la semaine, sur de nouvelles bases. Si je vous revois pas, je vous dis à très bientôt. Sinon, je vous dis à tout à l'heure dans le prochain clip. Au cas où, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit passage, pas seulement dans le nombre de vues. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao !